Oh, on a le masque. Oh, je peux le prendre carrément. Il va servir en fait à rentrer dans le gaz. C'est exactement comme le teaser du chapitre 3. C'est tellement bien fait. Hello, hello, la team Poppy, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis trop content. Aujourd'hui, on va voir un petit peu de chapitre 3 de Poppy Playtime parce qu'il y a une personne qui s'est amusée à recréer un chapitre 3, en tout cas un début de chapitre 3. Mais honnêtement, c'est le plus quali parce qu'à l'époque, j'avais fait déjà un peu des petits fangames et tout. C'était bien, mais sans plus. Mais là, apparemment, on a vraiment une masterclass dans les mains. On va vraiment avoir un Poppy Playtime qui ressemble énormément du coup à l'officiel. Et ça va être un petit peu aux couleurs de chapitre 3. Donc j'ai trop hâte de découvrir ça avec vous. On va découvrir d'ailleurs tout de suite, là maintenant, on perd pas de temps. Et je pense qu'on va kiffer. Ça va nous permettre d'avoir un petit avant-goût avant ce chapitre 3. Qu'on attend. Allez, on y va. Regardez l'écran d'accueil, c'est pareil. Poppy Playtime, Play. Enfin, c'est incroyable. Le menu, hop, fonctionne. Chapitre 3, The Hugh Fall. Donc, l'énorme chute. Après le mystérieux crash de train, vous devez trouver Poppy et vous échapper de la factory, donc de l'usine. Ok, et on a déjà la chenille en bas à droite. Wow. Oh, la carrément cinématique. Dinguerie. Avec le petit chargement qui font penser à Poppy Playtime. Oula, par contre, je pense que... Wow. Par contre, c'est bugué de fou, là. Attendez, je vais voir si ça se corrige un peu. Ok, les amis, je pense que j'ai trouvé plus ou moins les bons réglages pour que ça bug vachement moins. Là, ça a l'air d'être vachement plus propre. Du coup, on sort bel et bien du train. On vient de se crasher. On se retrouve à la fin du chapitre 2 pour commencer forcément le début du chapitre 3. Et du coup, hop, on va essayer d'avancer et de découvrir. En tout cas, visuellement, ça fait vraiment Poppy Playtime et je trouve ça incroyable. Par contre, c'est quoi qui s'ouvre là? C'est pas ça? Alors, on a un grappack fonctionnel. Ça, c'est très sympa. Oh, salut mon pote. Je peux pas te récupérer, toi? J'ai pensé que c'est un objet caché, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Oh, on a un levier par contre ici. Attends, peut-être avec la main droite plutôt. Mais frérot, je fais comment? Ok, non, non, on l'active comme ça. On l'active pas avec le grappack. Par contre, ouais, j'entends des bruits de porte. Là, je pense que ça doit être celle qu'on a vue là juste avant. Ouais, celle-là. Ok, jusque-là, ça me semble ok. Et là-bas, on a la playcare. C'est un peu l'endroit principal, je pense, du chapitre 3. En tout cas, c'est là où on se dirigeait avec le train. Bah là, on va aller voir cette fameuse playcare. Qui on va rencontrer? Est-ce qu'on aura Daisy the Flower? C'est ce qu'on verra. Moi, j'aimerais bien aussi revoir la chenille. Mais on va voir. Reprenons cette aventure. Bonjour, bonsoir. Y a-t-il quelqu'un dans cette usine à jouer? Oh, on a un petit Benzo Benouille juste là, là. Putain, mon nom me fait super peur. Je pensais que c'était un monstre qui allait débarquer alors que pas du tout. On a un Benzo Benouille ici. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment la patte visuelle de Poppy Playtime. En moins joli, forcément. Mais c'est les mêmes décors, c'est les mêmes modèles, etc. On a même des affiches, taphonie, les télés, comme dans le jeu. Et on a la chenille qui est juste là, du moins ce qu'il en reste. Et on a une télé. D'ailleurs, est-ce que je peux interagir avec ou pas? Alors, la réponse est non. Sauf s'il y a un petit objet caché. Attends, il y a une porte là. On va essayer de l'ouvrir. Oh, on a une petite affiche avec Daddy Longlegs. Ici, take a lunch break. Bonsoir. Salut les gars. Salut Mommy. Salut Bonzo. Salut petit levier que je vais activer directement. Je vais juste aller voir avant s'il n'y a pas un truc ici. Non, ok, c'est fermé. Qu'est-ce qui fait un bruit comme ça? C'est quelle porte? C'est celle-là? Ok, c'est celle-là. Très bien. Pour l'instant, il se passe rien. On n'a pas streamer encore. Juste, on découvre. On se... Ah non, si, il y a une Daisy juste là. C'est une Daisy juste là. Et je crois d'ailleurs que. Est-ce qu'on avait déjà vu un plan d'une Daisy comme ça? Non, c'était des fans d'animation. Mais en tout cas, beaucoup pensent que Daisy aura un rôle très important dans le chapitre 3. Est-ce que vous pensez pareil? Exprimez-vous dans les coms. Là, je suis face à Daisy, par contre, là, ça craint. C'était pas bonne chance. Daisy? Daisy, mon ami? Comment ça va? Tu fais quoi? Tu fais un petit spectacle de marionnettes, c'est ça? Je veux juste aller dans la playcare, hein. Ne me saute pas dessus. Oh, l'angoisse, si elle me saute dessus, je serais terrorisé. Mais elle me regarde, j'ai l'impression qu'elle me suit un peu du regard. On la voit là, maintenant. On la reverra plus, peut-être pendant un moment, mais on la reverra, c'est sûr à certains. Oh, on a un Bron? Bron? Mon pote Bron? Comment tu vas, mon gâté? On se fait un check? Ok, aucune réaction de sa part, ça fait plaisir. Je vois qu'on m'apprécie toujours autant. Qu'est-ce que c'est que ça? Une momie encore. Oh, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit quoi par rapport à Daisy? On n'avait peut-être pas à la revoir, mais si. On la revoit directement. Par contre, je pense sincèrement qu'elle est vivante et qu'elle fait exprès de faire genre que c'est juste un jouet qui ne bouge pas. Mais à tout moment, elle se déplace pour nous choper, c'est sûr à certains. Allez, on continue d'explorer. It's playtime. Eh ben, on va voir si it's playtime. Je peux sauter au-dessus de la barrière? Non, très bien. Par contre, c'est trop stylé, hein, l'air de jeu qui a été créé et tout. Les enfants devaient certainement venir jouer ici. Ça fait penser un peu d'ailleurs à l'endroit du train dans le chapitre 2, hein. La fameuse Game Station. Là, on va pouvoir tester notre grab pack. Est-ce qu'il fonctionne bien ou pas? On va mettre la main jaune. D'ailleurs, j'avais même pas remarqué. C'est vrai qu'on a la main jaune à gauche. On n'a plus la main bleue, ni même la main rouge. Ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Tiens, si je fais ça. Il doit y avoir un truc à faire avant, je pense, parce que c'est bizarre quand même que ça ne fonctionne pas. Il y a un levier. Ouais, je pense que c'est juste pour qu'on reste dans l'esprit de Poppy Playtime. Mais je pense que le grab pack, tu vois, tu peux jouer avec. Tu peux. Wow! C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ce bruit? What? Ça a ouvert la porte, mais il y a eu un bruit de fracas là, énorme. Ça me fait trop peur. Premier streamer. Un streamer sonore, mais premier streamer quand même. Ça m'a bien fait flipper. Et on retrouve encore une Daisy, sauf que là, c'est refermé. Oh, petite musique.
Tiens. Est-ce que cette musique voudrait me faire passer un message du style « Tu vas passer un sale moment, mon ref ?» Je ne sais pas. On a un brawl là-bas, là. Mais je peux pas ouvrir la porte plus que ça. Enfin, elle est déjà ouverte, mais je peux pas l'ouvrir plus. Et on a du coup ici, encore une fois, un truc de grappac. Sauf que, à mon avis, le jeu fonctionne que avec des leviers. Donc, je vais fouiller un peu dans toutes les pièces si je peux ouvrir les portes. Celle-là, je peux pas. Est-ce que celle-là, je peux? Je ne peux pas non plus. Est-ce que celle-là, je peux? Non. Mais quelle porte? En fait, c'est le jeu de trouve la bonne porte, c'est ça? On va essayer avec celle-là, tiens. Ça marche pas. Et celle-là, peut-être. Ouais, celle-là, elle fonctionne. Et dedans. Dedans, il y a quoi? Il y a pas grand chose, il y a ça. Ah, je pensais que c'était mon grappac qui fonctionnait, mais non, juste ça s'ouvre dès que je m'approche. Bonsoir, ça on dirait un peu l'endroit de la chenille, sauf que ça a été transformé en dortoir. À moins qu'il y aurait des petites chenilles qui dormiraient ici, on a de nouveau une télé là. En tout cas, c'est très bien fait, je pense. C'est vraiment plutôt un mode d'immersion plutôt qu'un mode vraiment avec du gameplay réel. Après, peut-être qu'on aura des streamers, mais je pense que c'est surtout un mode pour vraiment que tu te sentes dans le chapitre 3. Et c'est bien foutu. Et après, à préciser quand même que c'est un jeu qui est en bêta, donc c'est pas une version définitive. Peut-être que ça peut évoluer encore avec le temps. Maintenant, j'espère quand même que le vrai chapitre 3 sortira avant que ce jeu soit terminé quand même, parce que là ça fait quand même plus d'un an qu'on attend. Bah écoutez, je vais continuer d'avancer, je prends le temps d'explorer, on sait jamais toutefois si j'oublie un objet ou quoi. Tiens, c'est moi ou ça se referme juste là-bas là, comme si on voulait m'enfermer ici, sauf si non, je peux ouvrir la porte. Oh, comment ça va mon Huggy? Hey, quel plaisir. C'est moi ou il bouge? Attends. Oh, ça se referme à chaque fois, vous avez vu? Comme s'il voulait m'emprisonner. On a un Huggy vivant là, mais c'est un Huggy vraiment en mode très très méchant. Ça va Huggy? Comment ça va depuis le temps? T'avais disparu de fou là après le chapitre 1, t'as plus revu. Juste des petites traces de sang, des poils, tout ça, mais je peux aller le voir? Non, je peux pas aller le voir. J'ai vraiment comme le pressentiment que lui, à un moment donné, il va se réveiller et ce sera pas pour jouer aux cartes avec nous. Hein, ce sera clairement pour nous casser la gueule. On verra bien si on revoit ce Huggy ou pas. Du coup, c'est ouvert ici? Non, mais je pense que ici, c'est ouvert, bien évidemment. Oh, la chenille, le retour. D'ailleurs, il y a même une mini chenille, elle est partout. En fait, c'est Chenille Land ici. On a plein de bonnes bunny aussi également. Par contre, Daisy, en vrai, il faut avouer que ça fait un moment qu'on l'a pas revue, mine de rien. Mais peut-être que. Elle est là. Oh, waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a eu une scène de crime ici. Je peux ouvrir? Non, heureusement, vraiment, je sais pas ce qui s'est passé derrière cette porte. Mais je veux pas savoir, clairement. Des fois, vaut mieux faire l'aveugle, ok? Faire la technique de l'autruche. On n'a rien vu, ok? On n'a rien vu. Sinon, on va pas sortir vivant d'ici, c'est moi qui te le dis. Là, il y a une porte entrouverte. Oh! Ok, waouh. Elle m'a surpris. Mais c'est la vraie. Regardez, elle bouge. C'est qu'ici? Ici? Qu'est-ce que c'est? Mais ici? Tu nous as aidé dans le chapitre 2. Si tu pouvais faire pareil là, je t'avoue que ça m'arrangerait. Là, c'est ouvert aussi. C'est quoi ça? Juste, c'est quoi ça? Ah, oh, c'est des mains de grappac. Je sais pas si ça veut dire qu'il y a plein de players avant moi qui sont passés là dans l'Emergency Exit. Ah ouais, c'est une sortie d'urgence. Sauf qu'elle fonctionne pas. Et là, on retrouve un escalier. Il y avait un truc similaire dans le chapitre 2. Je sais pas si vous vous en rappelez. Il y a même un panneau. Je sais plus si c'était le panneau de Candy Cat, je crois. Ok, on va faire attention de pas tomber. On sait jamais, je peux peut-être mourir dans le jeu. Waouh, ok, c'est bon. Nous sommes arrivés à destination, mesdames, messieurs. Par contre, je suis désolé. Hein, si des fois, il y a des coups de lag, j'ai fait au mieux. Mais je pense que ça fait ça chez tout le monde. D'ailleurs, il a précisé que valait mieux jouer avec tout au minimum. Parce que je pense que c'est pas très bien opti. Bonsoir, ça me fait penser un peu à un long couloir. Oh, j'allais dire de Mommy Longlegs dans chapitre 2, c'était pareil. On a un couloir comme ça, regardez qui voilà. Petit check. Tu veux un petit check, Mommy? Ah, très bien. Je pense que ça veut dire non. Il se dit, il est zinzin, lui. Pourquoi il me touche la main comme ça, là, avec sa main sale, là? Déjà, on me respecte, premièrement. Et tu vas voir, Mommy Longlegs. Ça va mal se passer, ça va être comme le chapitre 2. Tu vas finir dans un broyeur. Ou peut-être même pire. Allez, on continue d'avancer là. Pour l'instant, je suis serein. Bon, des fois, on flippe un peu. Mais pour l'instant, voilà, on se familiarise avec le lieu, n'est-ce pas? On se remet dans le bain, hein, comme on dit, dans le jacuzzi. Ici, c'est fermé. Et j'imagine que là. Oh! Wow, d'où, comment? Waouh, ok. Où ça? Comment? Let's go, là. Au secours. Ah, Huggy, mon pote. Mon pote Huggy. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, toi et moi. On pourrait en discuter un peu autour d'un verre, non? Je sais pas. Au secours. C'est bon? Ouais, il m'a fait trop peur le Huggy, je pensais qu'il allait me courser, mais jusqu'à l'infini, Playker. Oh, Daddy Longlex, frérot, arrête, t'es père de famille, tu peux pas me faire du mal. Mais quoi? Attends, hein? Ah, c'est peut-être fait exprès. Ah ouais. Attends, par contre, si c'est en mode tu meurs, tu recommences depuis tout début, comment dire, que là, je vais légèrement dégoûté, légèrement frustré et légèrement énervé. Mais non, c'est pas possible. Il y a des checkpoints dans le jeu, ça doit être la fin du jeu. Je vais quand même me renseigner un peu avant. Ok, je pense qu'on voilà, on revient au moment de Daddy Longlegs. Faut qu'on se dépêche. Vite. Ok, c'est bon. Let's go. Donc en fait, les amis, il fallait bien que je refasse le jeu depuis le tout début. Donc bien chiant. Là, on peut continuer. Ça veut dire franchement qu'il y a pas mal de contenu hein, sur ce fameux chapitre 3 là. Là, c'est fermé. Ok, c'est fermé. On continue et on va aller voir là-bas. Je pense qu'à un moment donné, c'est cette porte là. Qu'est-ce qu'il écrit? Back. Comment ça, back? Comment ça?
Comment ça, mon ref? Vous me faites peur, là, les gars. Ok, on retrouve la chenille et une magnifique statue de momie long legs. Ah, ça marche, ça, ou pas? Non, ça marche pas. Ok, ok, le bouton n'est pas fonctionnel. Il faut quand même pas abuser. C'est déjà un masterclass qu'il a fait, le développeur. Juste un peu dommage pour les bugs et tout. Oh, on a le masque. Oh, je peux le prendre carrément. Oh, dinguerie. Attends, il va servir à quoi? Ah, trop bien. Il va servir, en fait, à rentrer dans le gaz. C'est exactement comme le teaser du chapitre 3. C'est tellement bien fait. Bonsoir. Il y a quelqu'un dans ce gaz. On voit pas grand chose, hein. Heureusement que j'ai ce masque d'ailleurs qui me protège, hein. Sinon, ce serait un peu compliqué, quoi. Ce serait pas l'endroit où on avait tous les jouets par terre ici. Allô? Swear? Ok, il y a un autre masque, il y a un Brown aussi. J'espère qu'il va pas se réveiller d'un coup et je fais. Wow, les bugs par contre là. Wow, ok, c'est une pièce ultra mal opti là. Je suis désolé, les amis. C'est vraiment pas une question de PC pas puissant ou quoi. Non, c'est vraiment que le jeu est ultra mal optimisé. Hop, on va continuer. C'est dommage, hein, parce que en vrai, c'est master. Regarde, si ça fonctionne. Non, ça peut pas fonctionner quand même, si. Je pense que je dois sauter. What? Wow. Ok, c'est fait exprès. Oh, j'ai eu tellement peur. À moins que... Ouais, c'est bon. Ouais, par contre, ça bug plus qu'au début du jeu. C'est une dinguerie, ouais. Là, ça va mieux. Ok. Vas-y. Bon, je peux avancer tranquillement. Oh, it's playtime. On arrive dans une autre gare avec un autre train. Je dois le prendre. Ce serait tellement cool que je puisse le prendre comme ça, là. Attends, on va essayer. Oh! Ça marche? Je pense que je vais vraiment dans le train là, non? Attends, parce qu'il y a une porte sur le côté aussi, donc si ça tombe, je vais devoir plutôt ouvrir cette porte là. Sauf s'il y a d'autres trucs à activer, ça peut-être? Non? Oh non, trop dommage! Il a fait exprès en mode de laisser croire qu'on pouvait activer le levier et que ça allait avancer. Après, peut-être pour plus tard, hein, parce que là on a une planche. Ça tombe, cette planche s'enlèvera après. Mais on va quand même tenter d'ouvrir cette porte là pour voir du. Ah, quoique? Quoique, il y a peut-être un truc à faire avec le train. Hein. Petit baby long legs, là, juste là. Sauf si. Ah ouais, c'est là. Ok. Faux espoir. D'ailleurs, en parlant de train, on en a un autre ici qui est complètement retourné. Tiens. Daisy. Maros, tu bouges pas, hein. Tu me laisses passer tranquillou. Regarde, il y a un petit levier. Tu vas me laisser tranquillement l'activer pour pouvoir s'en aller. Oh, et ben, parlant de Daisy. Wow. Quoi? Oh, il m'a fait trop peur. Ouais, il m'a fait trop peur, le salaud, il était caché, mais non, je dois tout recommencer, j'en peux plus. Bon, les BG, c'est très long, mais j'étais pas très très loin de la fin, donc on va aller, en fait, là, on est sur un gameplay, du coup, de quelqu'un d'autre, en plus, ça bug pas, donc c'est vraiment fluide, on va pouvoir vraiment voir ce qu'il y avait après. En fait, là, on a vraiment, genre, une succession, je pense, de courses-poursuites, mais c'est surtout Oogie Boogie, là, qu'elle a d'être au premier plan, qui te course. Ouais, mais c'est vraiment dommage, parce que le Daddy Longleg, je l'ai pas du tout vu venir, pour le coup, le gay est bugué. Et là, tu vois, après, ça continue encore. En vrai, c'est encore mieux quand ça bug pas, c'est ultra fluide, c'est vraiment une dinguerie. Et donc, après avoir passé la course poursuite de l'enfer, tu arrives dans cet endroit là avec écrit Playcare. On n'est pas déjà eu cet endroit là au tout début, on n'est pas eu un truc similaire comme ça avec une Daisy cachée derrière. Et il y a même carrément une sorte de screamer. Non, en vrai, c'est trop stylé. C'est vraiment à la fin que tout s'enchaîne, j'ai l'impression. Et peut-être qu'on va voir une apparition encore d'un autre monstre. Ouais, le gaz est toujours présent. Regardez là, il est dans, waouh, dans un couloir de l'enfer. Ouais, on a même des players avec des masques à gaz. Il est bizarre, hein, ce couloir. Il est un peu flippant quand même, je vous avoue. Et du coup, ça continue. Waouh, carrément des flammes maintenant. Je pense que là, tu vois, ça doit être la fin. Donc, j'étais vraiment pas si loin que ça de la toute fin du jeu. Mais bon, en vrai, le fait de pas avoir mis de checkpoint, je trouve ça abusé. Même dans le jeu officiel, on a des checkpoints. C'est super important, surtout qu'il y a des bugs. Donc, peut te faire avoir à cause d'un bug ou d'un manque de fluidité. Mais moi, j'étais vraiment pas loin de la fin. Et la fin, elle est plutôt tranquille. Sauf s'il y a une grosse course-poursuite à la toute fin pour terminer le jeu. Ah, regardez ça. Emergency exit. Je pense que là, c'est la fin. Mais du coup, la question, c'est est-ce qu'il y a une douille? Est-ce qu'il y a un monstre qui va arriver? Momi Longlex, peut-être, tu vois, qui va arriver. Ou Daisy, peut-être. Par contre, c'est l'endroit où il y a tous les jouets, comme dans le teaser. Le trailer qu'on avait vu, tous les jouets sont là. Et je pense que c'est pour finaliser en beauté, n'est-ce pas? On a même des petits Ugi, voilà, un Ugi jaune. Et une Kissim ici. Ouais, non, c'est la fin. Et ça se termine comme ça. Donc, j'étais vraiment pas loin de la toute fin avec une Daisy vivante qui t'attend. Et tu atteins la fameuse sortie avec cette lumière. Ok, vraiment sympa ce fan game. Hein. Juste le petit bémol, c'est que, ouais, il y avait un manque un peu de fluidité, etc. T'as beau changer les réglages. Vous avez bien vu que sur mon gameplay à moi, c'était compliqué. Alors que faire tourner le Boy Playtime officiel, il y a aucun problème. Donc, c'est assez mal opti. Et juste aussi, dommage pour les checkpoints. Mais sinon, le travail qui a été fait est remarquable. Vraiment, il y a des screamers, il y a des petites courses-poursuites, tout ça. C'est vraiment bien foutu. Donc, rien que pour ça, on peut vraiment féliciter la personne qui a fait ce pseudo chapitre 3. Et ça nous permet, voilà, d'avoir un petit avant-goût avant le vrai chapitre 3 qu'on attend avec impatience. En tout cas, n'hésitez pas, les amis, à me donner votre avis dans les commentaires, à bombarder la barre des likes pour montrer que vous avez kiffé. Abonnez-vous, activez la cloche. Et vous le savez, on se retrouve très vite, de toute façon, pour une nouvelle vidéo, nouvelles aventures. C'était votre équipe comme d'hab. Ciao.